Monsieur Trudeau, vous avez tenu une conférence de presse à Ottawa jeudi. C'était en réponse à la loi 101. Il n'y avait pas tellement de surprises pour la majorité des gens, puisque les journalistes avaient déjà dit que le gouvernement fédéral vraisemblablement n'interviendrait pas. Mais ça m'a d'ailleurs beaucoup influencé, la position des journalistes. Vous avez écouté les journalistes, une fois de plus, c'est ça. Il y a une phrase quand même qui m'a frappé dans le texte que vous avez remis. Si vous dites qu'il faut plutôt opter pour des mesures politiques plutôt que juridiques, j'aimerais que vous m'expliquiez l'insistance que vous mettez sur la politique dans une question comme celle-là. Eh bien, c'est toujours ce que j'ai pensé, que lorsque les citoyens ne sont pas contents d'un gouvernement, lorsqu'ils n'aiment pas des politiques ou des lois, le recours, c'est de changer ces lois, de faire pression sur le gouvernement pour qu'il les change, et à défaut de cela, de changer le gouvernement. C'est parce que je crois à la démocratie canadienne, et la québécoise en particulier. J'ai confiance aux gens, et je suis convaincu que les aspects de la loi 101, qui ne sont pas justes pour l'ensemble de la population, finiront par indigner les gens. Mais c'est quand même un peu étonnant de voir un chef de gouvernement canadien, et là, je remonte même au 9 septembre, déjà dans la conférence de presse du 9 septembre, vous disiez, justement, changeons le gouvernement du Québec. Vous parliez de battre M. Lévesque aux urnes. C'est quand même étonnant de voir un premier ministre du Canada parler de cette façon-là d'un premier ministre provincial. Deux choses. D'abord, c'est pas tellement étonnant parce que ça m'est arrivé de temps en temps de faire la même chose pour les premiers ministres d'autres provinces. Je me souviens de m'être fait accrocher il y a quelques années parce que je dénonçais assez vertement les politiques d'énergie de M. Lougheed. Il y avait probablement à ce moment-là des journalistes de l'Alberta pour s'étonner comme vous, mais c'est une chose que je ne me gêne pas de faire. Mais dans le cas de M. Lévesque, si vous me permettez de donner une précision, dès le 27 novembre ou le 24 novembre dernier, quelques jours après les élections, les gens voulaient savoir qu'est-ce qu'on allait faire devant le gouvernement québécois. Et je me souviens très exactement à ce moment-là d'avoir dit, eh bien, il y a un remède, c'est qu'il faut battre M. Lévesque aux urnes. Il ne faut pas oublier que M. Lévesque est là avec un parti, une idéologie qui veut débattre le Canada. Vous ne pensez pas que je vais me gêner pour dire que je ne suis pas d'accord avec lui. Mais j'allais quand même vous faire remarquer qu'enfin, moi, je ne me souviens pas vous avoir entendu dire des choses semblables de M. Barrett en Colombie-Britannique, ou je ne sais pas, de M. Davis, qui est un conservateur en Ontario, ou de M. Roberts, qui était premier ministre avant l'Ontario. Ben, je viens de vous donner l'exemple de M. Lougheed de l'Alberta. Je pense que j'ai dit la même chose. Justement, je suis allé en Saskatchewan après les élections de 72 pour dénoncer le premier ministre du temps, M. Blakeney. Alors, vraiment, lorsqu'il s'agit d'une politique provinciale qui a une portée aussi grande que celle de M. Lévesque, celle de débattre le pays, ou celle de M. Blakeney dans le temps. Je me souviens que ces accusations avaient été que nous n'en avions que pour le Québec, que le gouvernement fédéral, le French Power, comme il disait à ce moment-là, n'aidait que le Québec. Je suis allé l'attaquer dans sa province. Vous utilisez tout de même des expressions un peu fortes. Là, je pense à l'interview que le Montreal Star a publiée avec vous, interview que vous avez accordée au Montreal Star la semaine dernière, qui est publiée hier, et dans laquelle vous dites carrément, au sujet de M. Lévesque, je vous cite en anglais, « I do not want Mr. Lévesque to fight the issue of independence at the time of his choosing, and at the question of his choosing. It is not that I do not trust him. It is that he is the enemy. » Et « enemy », que je sache, ça veut dire à peu près la même chose en français et en anglais, M. Trudeau. C'est une expression quand même assez forte. Mais vous vous étonnez? Un gouvernement péquiste dont l'objectif précis, c'est de briser le Canada, c'est de séparer le Québec du reste du pays. Vous vous étonnez que je considère ça comme un ennemi? C'est vraiment, moi, je suis entré en politique pour précisément que le Canada soit fort et en particulier pour que les francophones québécois puissent avoir leur place dans ce Canada. Alors, moi, je trouve que c'est un ennemi politique qui prêche le contraire. Mais on peut se demander à ce moment-là si vous ne faites pas une bataille politique qui devrait se faire à un autre niveau et par d'autres personnes que vous, notamment par le chef d'un parti libéral provincial. Et oui, dans cette intervention du mois de novembre dernier dont je parlais, j'ai aussi dit il faudra que M. Lévesque soit battu aux élections provinciales. Alors, je suis d'accord avec vous, mais encore une fois, je m'étonne que vous soyez tous surpris que je puisse chercher noise à M. Lévesque. Vous ne vous étonnez jamais quand le gouvernement provincial dénonce, par exemple, nos mesures fiscales, quand le gouvernement provincial dénonce nos mesures de péréquation, quand il a dénoncé au mois de décembre dernier nos nouvelles politiques sur les programmes établis.
Moi, cette politique à sens unique où les provinces peuvent toujours nous attaquer et nous, on n'a jamais le droit de se défendre, c'est pas mon genre. Mais un citoyen ordinaire, M. Trudeau, qui regarde la situation au pays, c'est bien sûr qu'il y a un problème d'unité nationale, mais qu'il y a aussi des problèmes de chômage. Puis un Québécois, lui, sait qu'il y en a un Québécois sur 10 qui est en chômage. Il peut se demander si ça ne se réglerait peut-être pas mieux par une collaboration des deux niveaux de gouvernement, plutôt que de voir, les ministres se crier des noms. Là, je paraphrase M. Chrétien la semaine dernière. Eh bien, c'est pour cette raison-là que plutôt que de désavouer la loi, plutôt que d'en référer à la Cour suprême, j'ai simplement écrit à M. l'évêque une loi, une lettre, lui disant « Voulez-vous, on va collaborer pour protéger les minorités dans le Québec, et en particulier les minorités francophones des autres provinces. » Je ne lui ai pas crié des noms, je lui ai dit « Vous êtes un homme raisonnable, voulez-vous, on va discuter de la façon dont on peut se prendre pour améliorer la situation de ces minorités-là. » Alors, lorsqu'il s'agit de mesures concrètes, on n'a pas cessé de collaborer depuis le mois de novembre dernier. C'est un gouvernement qui provincial dont on a dit, pour autant qu'il reste à l'intérieur des cadres de la légalité, on va collaborer avec lui. Mais revenons justement à l'expression du Montreal Star. Je reprends le mot « ennemi », qui veut dire « ennemi » en français. Est-ce que vous pensez que c'est propice à l'établissement d'un dialogue? Oh, je ne pense pas que M. Lévesque se formalise de cela. Il sait bien qu'il est l'ennemi du Canada tel qu'il est constitué actuellement. Si le mot l'effraie, je lui en demande pardon. Mais je ne pense pas qu'il se mette en peine de ça. Alors, comme on n'a pas très souvent l'occasion de vous avoir comme invité à Radio-Canada, j'aimerais peut-être qu'on en profite pour sortir un petit peu de l'actualité. Vous n'avez pas souvent l'occasion de m'avoir à Radio-Canada. Ben, invitez-moi plus souvent. On vous invite, nous, en tout cas, très souvent, et vous n'êtes pas venu souvent, M. Trudeau. Ben, moi, je n'ai pas souvenance que vous m'ayez invité. Ah, ben, il faudra discuter de ça avec votre attaché de presse après l'émission. J'aimerais quand même, justement, revenir à une chose bien, bien précise. Moi, il y a une chose qui me frappe au niveau des dates. En 1968, si on fait un retour en arrière, c'est à peu près une dizaine d'années, vous êtes élu, vous, comme chef du Parti libéral, vous devenez premier ministre. C'est à peu près à la même époque que M. Lévesque fonde son mouvement politique. On se retrouve 10 ans après, on vous trouve tous les deux face à face, comme premier ministre du Canada, premier ministre du Québec. J'aimerais vous demander quelle sorte de bilan vous faites, justement, de l'action que vous avez menée à Ottawa au niveau de l'unité nationale. Eh bien, un progrès lent, mais pas encore suffisant. On a quand même réussi à empêcher que les séparatistes prennent le pouvoir en s'affichant comme séparatistes. C'est déjà pas mal. M. Lévesque a fondé son parti, je pense, sur les jetés de ceux qui voulaient l'indépendance du Québec, ni plus ni moins. Lorsque M. Lévesque a préconisé cette idée-là en 70 aux élections provinciales et encore en 73, il s'est fait battre à plate couture. Il n'a même pas gagné dans son comté. Alors je trouve que c'est pas mal qu'on a réussi à mettre... en retraite l'idée du séparatisme. Alors ils ont trouvé ceci d'ingénieux, de dire en 76, on ne se battra pas pour le séparatisme, on va se battre pour un bon gouvernement. Bon, soit, alors le peuple les a élus pour nous donner un bon gouvernement. Mais je trouve ça assez réussi. J'aimerais vous rappeler des chiffres. Vous me parlez de retraite du séparatisme. Moi, je voudrais vous rappeler l'élection québécoise de 1966. Au moment où il y avait l'aérien, je ne me souviens pas du pourcentage exact, mais c'était autour de 7 ou 8 du vote populaire. En 70, le PQ avec M. Lévesque, première élection, fait à peu près 24. En 73, fait 30. Et puis en 76, fait 41. 41, bien sûr, en disant qu'il va y avoir un référendum. Mais oui. Et en on ne peut pas qu'il... croire que tous les gens qui ont voté pour... Vous comparez des tomates et des betteraves. En 66, l'aérien, sauf erreur, prêchait l'indépendance. Hein? En 70, déjà, M. Lévesque avait mis de l'eau dans son vin. Il prêchait l'indépendance, mais l'association, la souveraineté, l'association. Battu en 70, battu en 73. Tout à coup, il y a un saut véritable en 76, parce qu'à ce moment-là, il parle de ni un ni l'autre. Il parle de l'élire pour faire un gouvernement meilleur, et après ça, on vous fera un petit référendum. Alors, encore une fois, vous me demandez de faire le bilan. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais moi, je vous dis qu'aussi longtemps que M. Lévesque, avec son parti, ou l'aérienne, avant ça, sont allés devant la population en disant « Votez pour nous, on va faire l'indépendance », ils ont été battus. Et à partir du moment où il ne dit plus ça, il gagne. Moi, je trouve ça pas mal réussi. Alors, est-ce que vous dites, à partir de ça, que le pays est plus uni maintenant que lorsque vous êtes devenu premier ministre en 68? Oh, je ne dis pas ça. En 68, annoncer des politiques qui, vous êtes le premier à savoir, n'ont pas été acceptées d'emblée par tout le monde. D'abord, je vais le rappeler tout à l'heure, en 72,
une bonne partie du Canada anglais s'est plaint de ce que le French power, le pouvoir francophone, était trop fort à Ottawa. On n'a pas regardé très loin en arrière pour voir que, par exemple, notre loi des langues officielles dans le domaine des gens de l'air n'a pas été acceptée d'emblée par le Canada anglais. Alors, dire qu'on a réussi à convaincre tout le monde qu'il fallait faire des compromis pour que le Canada reste uni, la réponse est non. Mais c'est peut-être en quoi j'ai souvent salué l'élection du parti de M. Lévesque le 15 novembre dernier, comme enfin les gens allaient se rendre compte de la réalité des choses, qu'à partir du moment où le Canada anglais prétendait garder le Canada uni, sans respecter les droits des minorités francophones de leur province et sans reconnaître le droit d'une participation francophone à Ottawa, le pays avait des risques de se débattre. Mais maintenant qu'ils voient que c'est peut-être vrai que ça peut se débattre, je pense qu'ils accélèrent beaucoup plus leur bonne volonté. Vous l'avez vu à St. Andrews cet été, alors que tous les premiers ministres des provinces anglophones ont dit que oui, dorénavant, ils s'occuperaient de leur minorité francophone. Je trouve que c'est du progrès. Monsieur Lévesque a aidé, d'ailleurs. Il y a quand même une chose qui, il y a quand même une chose qui me semble contradictoire dans ce que vous dites, parce que vous avez semblé parler tout à l'heure de retraite. C'est ce qui fait ma force. De l'indépendance, ou de l'indépendantisme plutôt. Et il y a quand même toute une série de déclarations que vous avez faites, vous avez plus ou moins reprises il y a quelques instants. Le 24 novembre, si on retourne peu de temps après les élections provinciales, là, vous avez fait votre déclaration à la télévision, vous avez parlé de crise. Le 18 avril, dans l'Ouest, vous avez dit à ce moment-là que le Canada était placé devant son défi, devant le défi le plus sérieux depuis la Confédération. Dans l'interview du Montreal Star, vous dites justement ce que vous venez de dire, que M. Lévesque a peut-être rendu un service aux Canadiens. Alors là, j'avoue que ça me semble contradictoire. Eh bien, c'est qu'il faut suivre un peu mon raisonnement. J'ai parlé également de crise au moment de l'affaire des gens de l'air. J'ai dit que c'était probablement la crise la plus grave depuis la conscription au Canada. C'est qu'effectivement, quand je vois que le Canada anglais ne comprend pas les aspirations légitimes du Québec, et des francophones québécois en particulier, ou des francophones minoritaires dans la province, je trouve que finalement, les francophones vont dire « Bon, on a compris, on s'en va, on va se séparer. » Ça, j'appelle ça une crise. Et je ne me le suis jamais caché, au contraire, je le répétais tout à l'heure, l'élection du PQ a obligé le Canada anglais à une prise de conscience réelle. Je pense que jusqu'à ce moment-là, il y avait des progrès certains. On a vu le nombre de gens qui voulaient apprendre le français augmenter graduellement, on a vu le nombre d'écoles francophones des autres provinces augmenter, on a vu le Nouveau-Brunswick faire du français une langue officielle au même titre que l'anglais. On a vu des progrès, mais je pense que dans la conscience populaire, la grande masse de l'électorat, particulièrement dans les provinces de l'Ouest, n'avait pas reconnu, bon Dieu, le fait français, plus dans les 10 années passées qu'il l'avait depuis 100 ans. Alors le 15 novembre les a forcés à reconnaître la réalité, c'est un peu ce que vous dites, à retomber sur leurs pas. Oui, oui. Est-ce que vous avez vraiment l'impression à ce niveau-là qu'on a profité de cette crise-là? Le 15 novembre jusqu'à maintenant, ça fait à peu près 11 mois, presque un an, est-ce qu'on en a vraiment profité? Le Canada en général. Le Canada en général, bien sûr. Ben, dans ou ce la sens, recherche d'une solution. Ben, je vous disais, Québec, vous donnez l'exemple tout à l'heure de St. Andrews, où les 9 premiers ministres provinciaux, anglophones, ont dit, eh bien nous, dorénavant, on va s'occuper de nos minorités. On va leur donner des écoles, on va leur donner justice. Je vous répéterai également qu'en réponse à ma lettre du début septembre, une poignée de premiers ministres, dont M. Davis, M. Schreier, M. Hatfield, M. Campbell, ont dit, ben oui, ils étaient prêts, eux, à faire des changements constitutionnels pour protéger ces droits-là. Laissez-moi vous rappeler également qu'en 71, à Victoria, j'avais proposé aux 10 provinces un amendement constitutionnel qui aurait défini dans la Constitution les droits des minorités francophones dans le reste du pays, anglophones dans le Québec. Et ça avait été accepté à ce moment-là par 6 ou 7 provinces. Le Québec avait fait exception. Je m'étais demandé à ce moment-là pourquoi vraiment ils ne voulaient pas avoir une déclaration des droits protégeant les deux langues. Je l'ai compris beaucoup plus tard, quand j'ai vu qu'ils ne voulaient pas avoir deux langues, mais seulement une. J'ai trouvé ça regrettable. Puis il y a aussi 2-3 autres provinces, je crois l'Alberta et la Colombie. Mais déjà, en 71, M. Olivier, il y avait plus qu'une demi-douzaine de provinces qui étaient prêtes à entériner dans la Constitution une déclaration protégeant les droits de leur minorité francophone. Mais la question si le Québec n'avait pas refusé à ce moment-là, on serait peut-être beaucoup plus avancé. La question qu'on peut se poser, M. Trudeau, concerne ce qu'on appellera en anglais le timing. Est-ce que c'est vraiment le temps, maintenant, si on pense à la situation politique,
de parler ou d'insister, comme vous le faites, vous l'avez fait début septembre, vous l'avez fait cette semaine également, en réécrivant M. Lévesque, d'insister sur un texte constitutionnel. Eh bien, votre question était probablement préparée avant ma réponse antérieure, parce que je viens de vous expliquer que déjà en 71, le timing était là. J'avais proposé aux provinces un texte constitutionnel qui protégerait les droits des minorités. Mais moi, je pensais à un autre timing. Je pensais au timing politique, au climat politique qui prévaut dans le pays présentement. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'établir un consensus qui permette d'écrire un texte constitutionnel ou même un simple article de texte constitutionnel présentement? Et pourquoi pas? Puisqu'il y a 9 provinces qui ont dit qu'elles étaient prêtes à protéger les droits des minorités et que 6 de ces 9 provinces-là avaient déjà, en 71, dit qu'elles voulaient mettre ça dans un texte constitutionnel. Il reste quoi? Il reste le Québec. Et le Québec, lui, M. Lévesque nous assure que son parti se soucie fort des droits des minorités des autres provinces, des francophones des autres provinces. Si oui, bon Dieu, c'est sa chance qu'il mette ça dans un texte constitutionnel qui liera les autres provinces, qui le liera jusqu'à ce qu'il fasse l'indépendance, s'il pense la faire. À ce moment-là, boum, le Québec partira. Mais il sera toujours temps pour lui pour dire ben, « j'accepte plus la Constitution canadienne ». Mais si en attendant que ça prenne 2 ans, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, quand il le fera son référendum, ou qu'il fera son indépendance, à supposer que jamais il pense le faire, en attendant, les droits des minorités francophones des autres provinces seront bel et bien établis et défendus. Et ça, je trouve ça important. Je l'ai proposé d'ailleurs à M. Lévesque au mois de janvier dernier, bien avant septembre. Je l'avais proposé à M. Bourassa non seulement en 71 à Victoria, mais dans ma lettre au Premier ministre au printemps de 75. Où j'ai proposé toutes sortes d'arrangements constitutionnels pour que non seulement les minorités soient protégées, mais pour que les droits du français soient particulièrement garantis, puisqu'elles étaient minoritaires dans tout le pays. On vous avait conjuré, M. Lévesque, de vous écouter cette semaine. Est-ce que vous croyez vraiment, sérieusement, qu'il va vous écouter? Ou si c'est un geste politique, finalement, M. Lévesque? Flaubert disait un honnête homme, rien ne l'étonne. Alors, moi, je ne serais pas étonné que M. Lévesque dise bon. D'ailleurs, M. Lévesque, moi, je pense qu'il peut dire bon, ben, je vais les protéger, les minorités. Je vais faire ma part. On fera l'indépendance après ça. Dépendra peut-être un peu de ses conseillers aussi. Parce que je me souviens de l'avoir déjà entendu dire que rapatrier la Constitution de Londres au Canada, ça lui faisait ni chaud ni froid. Je pensais bien qu'il y consentirait. Parce que c'est un homme relativement libre, qui est prêt à épouser des idées nouvelles. Mon Dieu, encore une fois, s'il pense, lui, faire l'indépendance, qu'est-ce que ça lui fait qu'en attendant la Constitution canadienne soit à Londres ou en Angleterre, à Londres ou au Canada? Mais personnellement, est-ce que ça vous semble important, présentement, toujours aussi important, de rapatrier cette Constitution? Oh, ça aurait été un geste de maturité. Et le PQ, comme vous l'avez dit samedi, était mature, c'est ça, non? Oui, vous ne trouvez pas. C'est un parti qui n'arrive pas à se brancher, qui n'arrive pas à se décider, qui dit croire à l'indépendance à condition que cette indépendance soit appuyée sur une association, qui dit qu'il va faire l'élection pour être élu comme bon gouvernement, qui se dépêche ensuite d'adopter des lois qui tendent à diviser le Canada, qui nous assure que le référendum, on l'aura, mais pas tout de suite, et qu'on n'est pas très sûr que la question sera très claire. Moi, ça me fait l'apparence un peu d'un parti un peu adolescent, d'ailleurs, regardez son âge, qui n'arrive pas à choisir, qui n'arrive pas à prendre parti, qui aimerait bien être indépendant à condition que ça coûte rien, qui aimerait bien ne pas être soumis à la souveraineté politique canadienne, à condition qu'il soit soumis à quoi? À la souveraineté économique canadienne. Il nous reste à peine quelques minutes et il y a des gens qui pourraient dire, M. Trudeau, qu'on n'est pas très certain non plus de ce que cherche le gouvernement fédéral. Parce qu'à certains moments, vous semblez dire que vous êtes prêt, vous l'aviez fait à Québec, vous êtes prêt à tout négocier. Le lendemain, vous retournez à Ottawa, je me souviens d'avoir vu la conférence de presse, vous dites « oui, j'ai dit ça, mais finalement, personnellement, ça ne m'intéresse pas trop ». Vous mettez sur pied des groupes d'études comme le groupe Pépin-Robarts, qui, eux, parlent de troisième voie. Moi, j'aimerais bien savoir où en est le gouvernement fédéral exactement. Qu'est-ce que vous cherchez de votre côté? Eh bien, il ne faudrait pas me citer de travers. J'ai dit à Québec que tout est négociable, sauf les droits de l'homme, sauf les droits fondamentaux. Mes seuls gestes jusqu'à maintenant, c'était d'essayer d'asseoir ces droits fondamentaux, d'où mes lettres à M. Lévesque, etc. Pour le reste, oui, tout est négociable, je le répète. Parce que je dis tout est négociable, ça ne veut pas dire que moi, je veux mettre 1000 propositions sur la table.
Si M. Lévesque et son parti ne sont pas contents de la Constitution canadienne, c'est plutôt à eux d'être demandeurs, non? Moi, je veux bien négocier, mais je veux savoir sur quoi M. Lévesque veut négocier. S'il n'est même pas prêt à négocier sur des droits fondamentaux, les droits de l'homme, je me demande sur quoi il veut bien négocier. Mais quelle est votre position? Prenons le cas de M. John Roberts, que vous avez vous-même nommé à la coprésidence d'un groupe avec Jean-Luc Pépin et qui, lundi soir, je pense que c'était lundi soir, à Toronto, faisait un discours devant le Canadian Club de Toronto dans lequel il disait tout d'abord que « the time is running out », donc il faut se dépêcher, on est très pressé. Et qui dit également qu'il faudrait être deux pour faire un compromis. Finalement, la solution devra probablement être un compromis, c'est ce qu'il laisse entendre, entre l'état actuel des choses et la souveraineté association demandée par M. Lévesque. Eh bien oui, c'était M. Roberts, c'était beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui parlent de troisième option et tout le reste. C'est pourquoi j'ai établi cette commission pour voir où ils veulent en venir avec ça. Mais mon idée, il reste à peu près une minute, mon idée, ce n'est pas de citer M. Roberts, c'est de savoir ce que vous en pensez. Mais je vous l'ai dit. Moi, je pense qu'il faut d'abord protéger les droits de l'homme, les droits fondamentaux. Pour le reste, je ne suis pas de ceux qui sont les plus mécontents de la Constitution canadienne actuelle. Il y a des provinces, et celle du Québec en particulier, qui trouvent qu'il faut changer beaucoup de choses. Entre 68 et 71, lors des conférences de Victoria, j'ai fait à peu près 10 ou 15 propositions fondamentales de changement. Il faudra ajouter celles que j'ai faites en 75 aux 10 premiers ministres et celles que j'ai faites en janvier dernier et celles que j'ai faites en septembre. Alors mettez tout ça à culture, ça fait peut-être 10 à 15 changements fondamentaux. Je suis prêt à changer des choses. En 20 secondes, il faudra encore que les provinces acceptent de discuter. Alors, 15 secondes, M. Trudeau, combien d'années avant qu'on puisse espérer une solution au problème? Votre scénario à vous, c'est quoi? Je pense que ça peut prendre beaucoup de temps. Le plus tôt qu'on fera le référendum sera le mieux, parce que là, on pourra au moins commencer de se parler entre adultes, entre gens qui ont décidé. Mais ça, il faut attendre la date du référendum, puisque c'est pas moi qui en décide. Merci beaucoup.